Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous êtes avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez et intéressez-vous, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que j'ai une information sans problème. Je vais parler dans quelques minutes avec M. Gary Desrosiers et papa le PNH. Dernière fois, je vais parler avec mon source. C'était dit que il y a des grandes compagnies qui ont reliquat. Pour l'État ici. Chacun de reliquat. On compensation en façon pour que Yoka continue et alimenter et manger. Okay. Mais là, c'était il y a trois semaines et demi, presque 4 semaines, bon, 30 secondes. Et maintenant, sous ça, t'es dit que niveau subvention, l'État a explosé. Il était presque atteint 3 milliards de gourdes. Et c'est ça. Chaque mois. Tes amis ou. C'est ça et il était dimanche et pour moi c'est ça sous la tête dimanche là oui, pour moi ça veut dire oui. Plusieurs mois c'est chaque mois en 3 milliards de gourdes oui et ça était dit maintenant par rapport à prix pour du pétrolier sous marché maintenant et c'est ça un peu la réalité maintenant on a cherché information on a actualisé ça pour nous connaître ce qui a bien ce qui a passé sous marché. Ok, on prend rapidement quelques informations. On a dit responsable et communication par responsable communication mais porte-parole pour ça et inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers avec nous, bonjour. Bonjour Robertson, bonjour Robertson. En succession d'opérations et qui fête ces derniers jours, cassez-moi sur l'information avec nous, s'il vous plaît. Et tout à fait, et c'est suite à ensemble dispositions que nous prenons et au niveau de la police nationale, il y a à d'abord Romius Mackenzie, et 31 ans, Isara Coberto, 30 ans. M. Sayo fait partie d'un gang qui est les 5 secondes et qui a évolué dans une zone galette courant, dans une zone 16 phénomènes. M. Sayo est soupçonné dans tentative d'assassinat avec commencement d'exécution sous commissaire de police Patrick Bélizère qui s'est dépassé le 26 décembre 2020 à Tabarbe et 23, côté que les commissaires ont pris plusieurs balles. Il y a deux motos qui sont confisquées. Il y a un département sud-est-land et PNH arrêté Fernando Pascal, 18 ans, membre gang Scorpion, qui est basé dans la localité dans la zone sud-est-land. Et la police saisit un pistolet de calibre 9 mm avec un moto. Et il y a tout un certain du. Etienne Chanchard, c'est vrai, non, mais non, M. Badet, M. Général en force, la foule qui était à bord de Moto Sati, agité, jeté. Et il y a plusieurs mondes qui étaient à bord, comme on te connaît déjà, qui étaient à bord, il y a une simple patrouille de couleur blanche, la porte, et le numéro de la plan, c'est SE02601, service de l'État, côté que suite à un check de routine, il y a évité le check là. Ils ont abandonné les véhicules là, la police en a mis 3 maillots fluorescents police, 3 paires de bottes de combat, un bijou de couleur bleue, une valise noire, un téléphone, et c'est suite à disposition que PNH a été pour anticiper souterrain. Au niveau du département l'Ouest 2, il y a en total 4 présumés bandits qui blessés mortellement, et on a d'ailleurs, et c'est suite à. Et quand il va lui, il a joué, paix la ville. Il y a un Félius Jean-Charles qui est maintenant en tête de l'État. Mon 400 Marozo blessé mortellement. Et Vladimir Siconu qui tue lui-même par un groupe gang rival. Et il y a tout. Nice, ainsi connu, mais non, je sais quoi. C'est un plaisir que vous allez nous parler avec l'inspecteur Gary Desrosiers, porte-parole de la PNH, qui tape dans nos bilans opération pour OS2 et la pré-poursuivre. Et puis nous avons une seule question pour lui par rapport à un Mouei Moun Dieg, dans tête Pétionville, à voyer Banon là, il dit nous, mais vraiment depuis plusieurs jours, Mounio a couru quitter Kayo, bandit à Baïkalinda, dit pour nous passer le message pendant ma parole avec vous là. Et monsieur le porte-parole. Oui, et justement, et nous avons parlé du département Ouest 2, qui est un palmiste que c'est connu, non, M. Sécol Bicentilus, M. Bicentilus, mentalement, M. a fonctionné dans une gang qui est basée dans la localité qui est la ferme, dans un bois de bouquet. Et gagné un autre bandit tout qui va être le nom, mais qui va être le nom TDN. D'ailleurs, honnête, c'est monsieur qui te planifier tout kidnapping sous zone et axe Cafou New York là. Monsieur arrivé blessé mortellement suite à l'opération la police. Emmanuel, ainsi connu, membre influent 400 Marozo, droit, yon,
qui est incarcéré dans la prison civile de Port-au-Prince. Et M. Tapé est venu dans la zone du Val-Roche. M. est blessé mortellement, il est en possession d'un fusil d'assaut. En total, 4 présumés et bandits blessés mortellement dans la zone département l'ouest de Croix-des-Bouquets. Et ils ont tué par un groupe et gang rival. À savoir, l'image qui a circulé de policiers à Port-au-Kix, il a fait connaître que les policiers ont mouru. Il a dit non. C'est suite à un galon gasoline qui était machinant que M. Oubem était probablement aspiré. Il était venu évanouir et pour le moment, il y a la caillou sans problème, il a évolué normalement. Et on a profité de les deux roues et au commandement, spécialement le commandant Chetlan, il félicitait les policiers pour détermination. Il a encouragé tout pour être ferme au poste parce que la population a apprécié l'ensemble du travail qu'il a fait. Même les et attendre l'envie en pile, mais avec le plus d'affaires du maximum, et déjà tout féliciter la population. Diègue, notre tête Pétionville, et Mounio, depuis plusieurs jours, c'est son calvaire. Nous apprenons qu'il y a des gens qui courent, qui étaient caillou, bandit a bail problème et yo a brûlé en mouille et yo mandé pour me signaler signaler ça et monsieur le porte-parole. La police au courant de ça qui a passé direct ou pas? Alors on m'a partagé à chaud ensemble dernière information que je partage avant moi. Moi je vais faire mon devoir pour que moi et aller au niveau bien informé plus au niveau de responsable commissariat Pétionville, le commissaire Caleb qui a bon plus de détails et c'est certain qui est toujours à l'écoute de l'espace ça. Et pour que lui-même soit capable de faire le nécessaire. Mais encore une fois, la petite population, conseiller pour tes collaborations, surtout dans la zone directe là, et tout pour les effets autour. Et là, accompagner eux, et à la manière des de populations qui vivent dans zone Girondouan, qui lui-même n'est pas d'accord que Bandi est installé dans zone nord. Et d'un point de vue de la violence, mais on va l'informer plus au niveau de responsable commissariat Pétionville. Pardon? Oui, magistrat Limonade là, et Robinson m'a demandé une petite précision sur lui. Alors, il y a un porte-parole qui est dans la zone et département ça, qui je crois qu'il n'est pas qui t'est informé plus, on va le transférer du moment là-haut. Merci beaucoup, passe une bonne journée. Okay. Merci Gary. Oui. Mais ça y est, non, pas lui, il va poser une question là-bas, on pas mettre le lance. Et non flyers littéral. Non, c'est ça, c'est sa technique. N'a pas pour ça. Non, mais faut que technique il est. Non. Quand même pas comme qui va mettre le coup pour bailler ça là. La police fait tout déjà, il dit arrêter. Moi besoin docteur. Non, moi même toujours dit non mettez ça, moi ouais Gary Desrosiers, moi même ouais docteur Franz Valade sur la panne nous là. Moi dit Jura, pas trop mal. Oui, Jura. Bon. Jura. Mais docteur Benadéen, CEP. Non, mais en l'air. Franchement, CEP, docteur Benadéen. Pourquoi qu'il réponse? Je vais poser une question pour vous. Je fais le devoir. Bon, c'est bien. Tu vois, pas là avec les. Sur une dev, vous m'avez dit, je vais vous prier. Et nous allons proposer ça. Nous faisons boule? Ballon. Hein? Ballon. Tu veux ce ballon? Ah, bah non, boule, boule, boule. Oui, besoin. Nous besoin? Oui. Eh bien, ok. Taiwan fait que ce ministère sport 1500. Bah non, volleyball, bah non, football. Et puis, nous capables de checker. Comment ça? Comment vous trouvez ça? Photo, mon yo, fait pour boule. Hein? Oh! C'est répondu, mon yo, fait. Eh bah, vous. Ah, vous, c'est. Moi, mon après l'ouest. Ah, vous, cher, bonjour. Mon yo, c'est des petits bons. C'est pas pour ce député à tout sourire là. Ah? Oui. Ministre dans la toute bagaille, ambassadeur de Taïwan dans la toute bagaille. Aïe, c'est un archive, moi, à le débat, côté. Il y a les beaux là pour le ministre. Ministre de Taïwan, qui est un beau kit, mais UNICEF. Bon, beau kit au choix et beau kit au Taïtil. Nous ne pouvons pas dire ça, il était utile. Beau kit au Taïtil, oui. Mais c'est pas parce que. 1500 boules. Ballon avec volleyball. Football avec volleyball. Ah, même si volleyball, là, mais. Besoin d'eux? Non, pour volleyball. Besoin d'eux? On seul a besoin? Oui. Mais ok, on va checker. C'est dans quoi vous besoin? Et football, besoin. Vous avez combien? Combien besoin? 15. Pour Anike? Oui, j'imagine. Anike avec ses joueurs. Non, mais vous me jouez à Nathalie. Et vous pouvez pas jouer? Ouais? Pas que vous avez un mauvais bagage là. Vous avez un social. Vous pouvez pas jouer? Mais la dernière fois, ma chérie, c'est 50 dollars d'acheter. Si c'est pour jouer à Nathalie? On molten. Ouais, 50 dollars. 50 ou 55 dollars américains. Si c'est pour jouer à Nathalie, tu es contre l'autre boule.
Merci beaucoup. Nadège, je vais poser plein de vous mettre ça. Qui samedi? Ouais, je laisse mon petit carreau. Tu dois lâcher sur l'autre boulot. Eh ben, il t'a mis. Yo, vendu la manquette. Non, bolette. Et pas boule d'aïe, on dit. Et pas boule d'aïe. La pause d'abtourner. Ah, nous avons le problème. À tout de suite. Nomination inconstitutionnelle et illégale, juge dans la Cour cassation, organisation droit monde à féminicio, la Pinga by CSPJ, avec différentes associations magistrats, une façon pour prendre distance à toute tentative qui t'a visé passer par ma loi PIA en bas pied, à nous praler au cas avec Valence Georges. Valence, nous apprenons, Valence, nous apprenons gagner magistrat de Bouillot dans la ville locale qui menaçait Capé Travail. C'est ça, Valence. Oui, oui, effectivement, Magnusson et monsieur magistrat de Bouillot, qui donc association magistrat de Bouillot, même là, qui menacé, bien entendu, à partir de lundi là, camper dans un mouvement pour que yo capable de camper travail. C'est pour exiger à ce que l'État capable de faire les meilleures conditions. Travail qui donc c'est collectif magistrat de Bouillot qui est porté dans Coulnad, qui a annoncé arrêt de travail ça à partir de lundi 25 avril qui a là. En cas où autorité en place, yo, en particulier le ministre de la Justice, va décider de répondre avec revendication yo, qui c'est une plus bonne condition de travail, même genre avec magistrat Chitayo. Donc, maintenant, Fatil Lore, Patrick Douillon, qui s'est substitué commissaire gouvernement au CAI, qui s'est en même temps la dirigé collectif magistrat de Bouillot, dans une rencontre avec la presse, lui déclaré inapcité, lui pas qu'à comprendre comment autorité dans le système judiciaire répise Bayo, même traitement avec Jijio, Jean-Loi, 27 novembre 2020. C'est là, lui-même, demandé ça. Dans ce plan, il dit, il a déjà mobilisé là pour camper travail. Dans même gens avec Griffio, même, il a déjà entamé camper travail à travers le pays. Donc, situation qui risquait, donc, à partir de ma question, une compliquée question dans la justice, puisque la justice haïtienne, en particulier dans le sud-pays, il n'y a pas de travail en raison du mouvement ça que Griffio, même, il a lancé dans le pays. Donc, ça qui vient fait que justice a bien surtout le monde qui a des problèmes avec la justice, ça qui t'a dû paraître devant juge, et bien il n'est pas capable de paraître en raison des problèmes ça, qui sont grève, mouvement, réfugiés, même qui campent le travail, mais pour ça, c'est monsieur substitut commissaire gouvernement, et commissaire également, qui a annoncé qu'il y a un camp de travail à partir de lundi, Jean Doulala, dans tout un suivi. Et puis rapidement, Magnusson, Nabdou gagné ensemble mouvement yo, qui est capable de redémarrer à partir de semaine prochaine dans le département sud-là. C'est ça que Youn a dirigé un mouvement ça. Après mouvement 29 mars, il a annoncé qu'il a reprendre béton là pour forcer pouvoir en place les mêmes les assumer responsabilité. Là, surtout, nous connaissons question vie chère. Qui gagne dans le pays, question insécurité, et bien dans ce sens-là, avec irresponsabilité gouvernement en place là, divers mouvements vont donc annoncer dans la ville au CAI à partir de semaine prochaine. C'est ça, Carvin Slager, membre collectif 29 mars, lui-même n'est pas connaître, il précise, série mouvement vont reprendre pour forcer le premier ministre Ariel Henry pour amener pour résoudre le problème ça. Dans Matissa, avec nous, Carvin Slager, rapidement, sous Caraïbes FM, et mouvement ça, nous après prendre, c'est toujours le même objectif. Yo? Même objectif là, c'est de libérer Matissa, parce que libérer Matissa, c'est libérer PIA. Vous êtes capable de remarquer avant hier, un petit avion qui crase, c'est pas qui continue à mourir, parce que il y a des gens dans le secteur privé qui continue à faire des ordres, et ça fait qu'il y a financé la question gang dans Matissa. Nous-mêmes, nous sommes pour une seule bataille, c'est libérer Matissa. Nous demandons la communauté internationale, l'ambassade américaine, avec tout le groupe là, qui ont dégagé avec Ariel Henry pour libérer Matissa pour être là capable de circuler dans le pays. Nous voyons que le secteur privé a été campé très très fort avec nous. Est-ce qu'ils prévoient même une série de mouvements ça? Et quelqu'un là-dedans qui a prévu la dépression et l'ambassade américaine, ça veut dire pour couper visa, mais ils prennent l'impression, mais qu'il y a même qui est solide avec nous. Je dis couper visa, pas couper visa. Il y a toujours campé parce qu'il n'y a pas campé bandit. Puis il y a passé marchandise et matissant. Il y a campé avec nous. Dans le jour qu'il y a venu, nous allons reprendre l'arrière.
que c'est chaque jour n'a plan la guerre pour nous demander un seul bagage libérer Matisse parce que peuple là va vivre encore dans sa cafette là. Il y a nous que il y a pile monde qui mettait accent sur question changement et une raison qui fait que par exemple les tailles ça, vous nous souhaitez joindre en termes de différence et encore pire. Est-ce que nous-mêmes, nous, on compte demander tout dans ces manifestations, ça un changement, j'ai un pile, nous, à demander ça dans la rue. Oui, nous demandons des changements, nous demandons des changements au niveau délégation parce que délégués, magistrats, eux-mêmes, ils sont des gangs dans PHTK, c'est bandits PHTK, c'est eux-mêmes qui alimentent les bandits. Nous demandons des changements dans la tête de l'État parce qu'il faut que le système n'a changé. Parce que les gens qui ont alimenté les bandits, c'est eux-mêmes qui ont fait bandits entrer dans le département. Parce que si les gangs sont matéli, qui baillent les âmes dans tout le quartier populaire, et c'est lui-même tout qui baillent les âmes dans ma puissance qui fait Josie à payer arriver côté l'IA, c'est lui qui baillent les gangs qui ont été, Jovenel lui-même. Libérer au TTF gang au rivière côté là et ça que nous même demander libérer Matissan et changer monde qui dans délégation et dans collectivité et dans collectivité en soi nous demander puis changer collectivité net. Voilà donc ma question c'est Carvin Slager dit tomber vert qui c'est un dirigeant mouvement Sahio dans le sud pays qui a annoncé là à partir de semaine prochaine reprise mobilisation dans le sud pour demander libérer Matissan Jean que lui même dit là ma question. Et Jean Tédil, nomination inconstitutionnelle et illégale, juge dans la Cour cassation, organisation droit monde et féministe, lancé en pinga. SPJ avec différentes associations magistrats, yon façon pour prendre distance avec toute tentative qui t'a visé passer ma loi pays en bas pied dans ce qui gagne pour avec nomination, yon quelconque juge dans la Cour cassation. Dans yon note, yon mette d'ailleurs, hier jeudi, à diverses organisations droit monde, takou POHDH, CJLAP, BAIAK, RNDDH, dénoncé des marchés illégales, gouvernement Ariel Henry qui voulait nommer juge dans le plus gros tribunal pays. Tout ça, c'est moyen pour prendre contrôle pouvoir judiciaire, d'après Marie-Auguste du Sénat. Toutefois, il reconnaît conditions légales pour combler poste qui vide dans la Cour cassation. Yo, pareil, Nikounia, dans ce sens, il plaide en faveur. Il y a un véritable consensus, toute force vive nation pour résoudre le problème. Non? Marie-Auguste du Sénat, Namiko Peterson, Luxama. Toute organisation, ça y va, ça va, SOFRA, CAIFAM, POHDH, CEJILAP, BAISKL, Fondation DAJ, PAGE, MOUFET, CONAN avec RNDDH. D'abord, effectivement, nous saluons les décisions que ANAMA lui-même, qui est une association de magistrats, prend pour lui clairement positionner contre ça qu'a fait là. Et puis pour le dire tout que les papes complices Ariel Henry avec Acolyte Lio, dans topier constitution pays d'Haïti, avec la loi, dans ça qui vient à ouais, à qui genre pour montage une liste de fait pour monde qui t'a supposé venir juste dans la cour de cassation. Nous-mêmes, au niveau de plusieurs organisations, ça y est, nous dit que effectivement nous d'accord. Conditions constitutionnelles avec conditions légales pour combler poste dans la cour de cassation dans le pays n'a pas existé, je ne veux dire. Et assurément, nous connaissons au niveau de cour de cassation, supposé y ait un président, un vice-président avec 10 juges, et je ne veux dire, c'est seulement 4 personnes qui gagnent un mandat. Tout le monde sait supposé qu'il y a un mandat de 10 ans, et c'est seulement 4 personnes qui gagnent un mandat qui est toujours valide dans la main. Même parmi 4 personnes, il y a une qui mettait à côté d'aide ou la loi d'ailleurs, d'aide ou constitution. Hein? Et donc, ça t'a dit que je ne veux dire, c'est 3 personnes qui sont opérationnels, 3 juges qui sont opérationnels avec mandat qui n'en met au niveau de cour de cassation. Et je nous suis dit l'entour, nous clair que conditions constitutionnelles, conditions légales pour qu'ils aient comblé poste au niveau de cour de cassation, ils n'ont pas réuni, ils n'ont pas exigé, ils n'ont pas existé, je ne veux dire. Même j'entends nous d'accord tout que CSPJ a lié incomplet, il était installé dans des aides ou la loi, par le premier ministre de facto Ariel Henry d'ailleurs. Cependant, nous-mêmes organisations, ça a nous été quoi que situation exceptionnelle, ça pas capable de servir de prétexte pour exécutif là installer pion li dans pire au niveau appareil judiciaire pays. N'a pas songé, hein, 16 février 2022, actuel ministre de la Justice a dévoyé une liste de 9 monde par CSPJ. Pour CSPJ, tu as choisi 3 là-dedans, tu as vint juge dans la Cour cassation pays. Même date là, CSPJ te répond ministre que le pape capable de rendre service ça. Mais rapide pressé, tu as fait une rencontre dans date 17 février 2022 et CSPJ mettait avec gouvernement de facto
pral décider que c'est un appel à candidature qui est ouvert pour tout le monde qui est intéressé venir occuper un poste dans poste vacant qui est en cours de cassation, aller déposer dossier yo dans ministère de la justice. Ça que bon côté pas nous nous considérer déjà que c'est une aberration. Donc je ne vous dis pas nous demander pour que gagne un véritable consensus avec différentes forces vives nationales pour jeunes ensemble dans solution provisoire, pour jeunes ensemble en solution ponctuelle par rapport à la situation exceptionnelle que nous vivons là. Observatoire haïtien droit monde mandé Premier ministre Ariel Henry pour dégager les commettre Jean-Jacques Joignant en tant que force vive nation. Une façon pour nommer juge dans la Cour cassation, yo mettre Jean-Ronel Sistanis proposé PM non pour rencontrer dernier tiers sénat parti politique au président Comontanak différents l'autre accord différents l'autre secteur dans société civile là ça qui d'après mettre la PD finalement comblé vide qui gagne dans la Cour cassation d'après mettre Ronel Jean-Ronel Sistanis. La Cour n'est pas opérationnel en ce sens que l'idée de gagner 12 juges, donc 10 juges plus son président et un vice-président, alors que c'est seulement 3 juges qui en poste pour l'instant à la Cour de cassation. Ça a fait qu'il n'est pas opérationnel. Et nous connaissons conformément à la loi et au regard de l'article 175 de la Constitution, c'est le président républicain qui est nommé juge de cassation sur une liste présentée par le Sénat de la République. Donc, pas de président pour le moment et le Sénat est amputé de 2/3 de ses membres, les 10 autres sénateurs qui sont disponibles ne peuvent pas prendre de grandes décisions. Et il y a environ 4 ans, appareil judiciaire n'a pas fonctionné pour raison de sécurité tout. Donc avocat, justiciable, parquetier, juge, greffier, huissier, PACA, allant zone tribunal là située là pour faire travail. Et donc avocat, PACA travail tout, justiciable, PACA joint justice par rapport à problème ça. Donc il y a une décision qui se prend là, en ce sens que CSPJ a décidé déplacer des cas dans le tribunal de l'instance nord, mettez-le dans le tribunal de section sud de Port-au-Prince. Donc, on pensait que ça a son démagogie dans la mesure où tout appareil arrêté encore sous le centenaire, alors que seulement des canards est transféré dans le tribunal de paix section sud et Port-au-Prince. Tu as supposé délocaliser le tribunal dans le périmètre de notre zone, et si ça n'a pas fait, tu as supposé mettre la police et l'armée disponible pour sécuriser l'environnement et permettre que tout le monde qui a besoin de justice ou bien dans le système n'est pas capable aller sur le centenaire. Dans ce sens, ça, on a demandé pour que l'actuel Premier ministre Ariel Henry, les jeunes ont entente et pressé avec l'ensemble des forces vives de la nation pour permettre que les jeunes ont formule pour nommer juge pour des cassations. Par exemple, il est capable de rencontrer dernier tiers sénat, les partis politiques, les représentants de l'accord de Montana, les acteurs de la société civile pour que les jeunes entente jeunes rapide et pour les jeunes ont formule monter nommer juge pour des cassations. Il faut que la police gagne moyen qui permettre que le mener opération dans les zones prises en otage par les groupes armés et qui a permettre un climat sécuritaire qui établit et pour que tout le monde, citoyen, citoyenne, capable de vaquer normalement à l'activité. Troisièmement, nous pensons que faut qu'il y ait formation dans le nouveau conseil électoral provisoire avec des gens crédibles, des gens qui ne sont pas de moralité douteuse, pour permettre que nous ayons quand même des gens qui sont élus, qui sont capables d'adresser avec autorité les problèmes cruciaux de la société. Information à bras poursuivre sur antenne Caraïbe FM n'a prêté dans ça qui gagne pour avec la justice. Ça gagne plus passé 2 semaines depuis greffier ou entrer dans grève pour exiger plus bon conditions de travail, augmentation et salaire tout. Magistrat debout qui donc commissaire gouvernement de Naoka a annoncé qu'il y a même le cap de travail. Entre temps, grève greffier est obligé de bloquer assises criminelles qui a organisé dans ville Semak. Après ça, correspondant nous, Nixon Denis Prasdi. Nixon, bonsoir et bienvenue dans le journal Dernière Occasion. Bonsoir, les amis de Radio Caïbio, dans le journal Dernière Occasion. Tant qu'on dit, le Mackerson Philistin, grève, griffio, observé la 18 réductions qui viennent dans tout le pays. Donc, il n'a pas été sans conséquence dans le tribunal de première instance en Saint-Marc, puisque l'assise criminelle sans assistance juridique ou également correctionnelle spéciale, donc qui a démarré depuis 11 avril qui se passait là. Donc, assise à haute après le campé, en raison de grève griffio, puisque nous-mêmes, nous continuons à exiger bonjour conditions de travail, augmentation en salaire et demander également respect protocole d'accord, une décision
avec le ministère de la Justice, accès que du sécurité. J'ai parlé avec Greppier Féounel Fizemé, qui est secrétaire général adjoint à NAC, donc qui fait connaître que nous-mêmes, il a continué avec grève là, tout autant et que le ministère de la Justice accès que du public ne pas répondre à revendication. Donc, ce qui a permis Palais Justice Saint-Magesson, c'est pour tout que qu'il y ait un nouveau commissaire gouvernement qui a peine installé dans la juridiction Saint-Mac, qui c'est Grand-Pierre Estimé qui retourne en l'autre fois encore dans la tête paquet Saint-Mac. Mais il faut dire que la cérémonie installation ça a été faite en bas aux discussions, puisque il y a deux militants politiques qui ont même été répondre présents dans le cadre de la cérémonie ça qui était faite vers avant pratiquement d'Adi, avant les 6 heures, puisque le tribunal a pratiquement fermé. Et par la suite, que eh bien, c'est un juge maître exhumé à Fleurmont, donc c'est monsieur qui t'appelle le conseiller, mais il faut dire que. On a un constat qui nous fait que malgré que nous connaissons que Griffio en grève, eh bien, tu as gagné Pascal Toussaint qui même t'appelle Pensiel. Mais pour dire que notre conquête estimé, donc il n'a pas fait l'unanimité dans le tribunal pour l'instant CEMAC, puisque passage lit dans le tribunal pour l'instant CEMAC, donc lui laissé en pile d'autres. Il est de part au centre de monde qui était en bas grâce présidentielle, ancien président Jovenel Moïse, il y en a Mounio, en responsable organisation de la justice, c'est par exemple le cas de Gad, qui se groupe Action Cap de fonds à droits humains, donc qui lui-même demandé et à maintes reprises, il dit qu'il a toujours demandé explication avec le commissaire Grand-Pierre Estimé lorsqu'il était dans la tête par Kessemac, qui n'a pas déjà aucune explication. Et bien, son ensemble de monde qui dérivait à jeune libération, il y a 38 personnes qui étaient sous liste, et bien, pour des jeunes grâces présidentielles là, il y a 14 dans eux, d'après explication Maître Jean-Robert Timothée, donc on fait compter qu'il y a 14 dans eux, nous savons que déjà jeune libération. Et puis, pour finir, Mackerson Philistin, nous connaissons que Saint-Marc a préparé pour fêter 327 l'année fondation Ville-Sahara, donc préparatif, il y a pensé, malgré le président de la commission municipale là qui s'est mis à faire, donc il fait connaître. Donc, il était soumis au budget dans le ministère intérieur à ministère culture et la primature également. Donc, jusqu'à présent, il y a beaucoup de jeunes en 50 cuves, mais ça n'a pas dit autant. Et qu'ils n'ont pas préparé pour faire patronat là, puisque, eh bien, gagner groupe musical qui commençait à performer dans la cité de Saja et lundi, donc pratiquement lundi à partir de ce congé dans la ville de Saint-Marc, mais fait là, il est fixé pour lundi qui a vina. Et puis, pour finir, pratiquement, pour dire qu'il y a une association entrepreneure en Saint-Marc qui, eux-mêmes, ils ont fait de don, eh bien, avec le responsable commissariat Saint-Marc là, qui c'est Ronald Pierre, côté, ils ont fait cadeau, ils ont véhicule à, et, avec. Chef police juridiction Saint-Macla qui c'est Ronald Pierre, il fait cadeau également deux motocyclettes, donc la police capable de faire travail, il fait cadeau également deux motocyclettes et bien avec la mairie de Saint-Marc et puis de caoutchouc avec le responsable ministère, la direction régionale, ministère des travaux publics dans la ville de Saint-Marc. Voilà.